voilà, ben, je vais vous expliquer un petit mot de témoignage. Ben voilà, Seigneur, le Franc, tu m'as demandé de témoigner. Et c'est pas facile, Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par où? Le Seigneur nous a donné tellement de choses. Le Seigneur m'a béni, nous a gardés. Et puis donc, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas, Seigneur, quoi expliquer. Mais bon, je vais expliquer le témoignage d'une guérison. Là, ça fait quelque temps, ça. Ça peut faire 2-3 ans. J'avais un souci, j'avais mal de gorge. J'avais mal de gorge, ça a duré pendant quelques jours. J'avais mal de gorge, ça s'empirait, j'avais de plus en plus mal de gorge. Et moi, donc, j'ai l'habitude d'avoir des angines parce que j'ai souvent des angines. Mais là, c'était vraiment des douleurs de plus en plus, pardi. Et j'allais au docteur, le docteur me marquait des cachets, des antibiotiques. Ça ne me passait pas, je retournais, le docteur et me donnait encore des antibiotiques. Ça a duré un moment comme ça, Seigneur. Je ne dormais pas des nuits. Je prenais des cachets toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, je prenais des cachets, ça ne me passait pas. Mais quand j'allais à la pharmacie chercher les cachets, même la pharmacie, elle me disait, quand même, ça fait longtemps que vous avez mal de gorge. Vous auriez dû passer une radio de la gorge. Et puis donc, moi, je disais, oui, c'est vrai. Et quand j'allais au docteur, elle me marquait des cachets encore plus fort. Elle me marquait des cachets plus fort. J'arrivais plus à dormir. Je ne dormais plus parce que je mourais du mal. Donc, je ne dormais même plus. Et donc, le docteur, j'ai demandé quand même qu'elle me passe une échographie. Et elle m'a passé une échographie de la gorge. Et donc, il y avait une petite grosseur. Il y avait une petite grosseur. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris rendez-vous à Pellegrin. J'ai pris rendez-vous à Pellegrin. Et donc, à l'hôpital, j'avais rendez-vous. J'avais mon rendez-vous. Et puis donc, je n'ai même pas pensé, Seigneur. J'ai attendu, je ne sais pas pourquoi j'ai tardé. J'ai attendu, attendu. Et après, parce que quand il venait le soir, je ne pouvais plus dormir. Alors j'ai dit, Seigneur, encore, je vais passer la nuit blanche, ce n'est pas possible. Et d'un seul coup, dans ma tête, j'ai dit, mais Seigneur, mon mari, c'est un serviteur. Et je n'ai même pas pensé de me faire qu'il prie pour moi. Donc j'ai demandé qu'il prie pour moi. Et le Seigneur est prié pour moi. Et je demandais vraiment d'un cœur sincère, je dis, Seigneur, que je puisse dormir, parce que vraiment, j'en peux plus, Seigneur. Ça fait trop longtemps, ça a duré au moins 3 mois. Donc, il a prié pour moi. Et donc, j'ai dormi. J'ai dormi, mais je ne me suis même pas rendu compte que j'ai dormi. J'ai dormi, Seigneur, j'ai dormi. Et pendant 2-3 jours, ça a duré comme ça, que j'avais même plus mal, je ne m'avais même pas rendu compte. Et donc, après, j'avais mon rendez-vous. Quelques jours après, 5-6 jours après, j'avais mon rendez-vous à Pellegrin. Donc, j'avais plus mal. Mais bon, j'avais mon rendez-vous, j'y étais quand même. Et quand j'ai fait voir la radio au docteur, il dit effectivement, oui, il y a quelque chose, il y a une grosseur. Et quand ils m'ont ausculté, il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Et puis le docteur m'a dit, ben, vous avez eu quelque chose, mais bon, la grosseur, elle est partie comme c'est venu. Alors, ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'est qu'il y avait eu. Moi, je savais que c'était Dieu qui m'avait guéri. Et donc, ben voilà, des fois, on a la solution juste à côté de nous, mais Seigneur, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on dit toujours, oh, demain, c'est demain, demain. Mais le Seigneur, il n'y a pas de... Il peut nous guérir, il suffit de demander. Le Seigneur, il faut y demander, puis le Seigneur nous donne. Voilà mon petit témoignage. Mais que ça puisse vous servir, si des fois qu'il y en a qui sont malades. Mais il ne faut pas tarder, Seigneur, il faut demander au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que ça vous encourage.